qui reçoit le dossier de traduction. Il m'a prévenu qu'il ne souhaite pas être interrompu pendant sa prise de parole. J'essaierai autant que possible à ceux qui ne comprennent pas l'anglais d'en restituer tous les sens. Merci beaucoup d'être là pour ce soir. Ma question est extrêmement simple. Can you tell us how you met Hugo? First of all, I would like to say good evening. And I would like to say a really big thanks for your coming. Paris is a big town, you could do millions of things. And you came to here, and I'm very grateful for your coming. I have to tell you how we met. I was doing a workshop in China, in Xining. It's already in the Tibet. And I got 140 or 60 applications, and I had to watch and choose 10 guys who can work together, and one of it was Hugo, and he applied with the rough cut of this film, and I started to watch it, and I could not finish, and I was just thinking, what the hell, who is this guy? And then when I arrived and we met, I saw a man who was taller than me, big body, strong person, with a very, very big sensibility. And he was, one hand, very fragile. Alors il se trouve que je devais animer un atelier en atelier de réalisation en Chine, dans une ville qui s'appelle Xichi, qui n'est pas très loin de la frontière avec le Tibet. Et pour cela, j'ai reçu quelque chose comme 140 ou 150 candidatures, où je devais tirer à peu près une dizaine, entre 10 et 15 personnes avec qui on allait travailler. Et parmi ces 140 candidatures, il y avait cette de Hugo, et ce avec quoi il candidatait, c'était un premier montage du film que vous allez voir. J'ai commencé à le regarder. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que le regard, je me suis dit, qui est ce type, d'où il sort, et c'est ensuite que je l'ai rencontré, parce que j'ai été sélectionné. Et j'ai rencontré ce type très grand, beaucoup plus grand que moi, avec un corps assez imposant, et une très forte sensibilité, et une très grande fragilité aussi. You know, I met with a man who was full of vibration, who was full of, he was very impatient. He wants to do everything. He wrote a script, he wrote a book, he wrote theater play, he was directing theater. And he wants to shoot, he wants to work, he wants to do the life. And he was really an amazing human being. He was helping to the others. And he wasn't selfish. He was one of the best human beings what I have seen in my life. And now I feel really horrible to talk about him. I feel guilty because I am sure I did not do everything to take care of him, but the distance, it was too much. The last time I met with him, 2 weeks before his death, and I was in Wuhan. He flew to me from Beijing, and he was explaining to me his new film. We went through, we were talking about his casting, we were talking about his locations, his scenes.
list of situations we were working, I could not believe this guy is in the danger, and nobody believed. Quand je l'ai rencontré, en fait, c'était un jeune homme rempli de toutes sortes de vibrations. C'était quelqu'un de très impatient, qui voulait absolument tout faire et faire tout de suite. Il était réalisateur, il était scénariste, il avait écrit des nouvelles, il a écrit des pièces de théâtre, il dirigeait du théâtre, et c'est quelqu'un aussi qui voulait vivre. C'est quelqu'un qui aimait se rendre disponible et aider les autres. C'est sans doute une des meilleures personnes, un des meilleurs êtres humains que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je me sens très embarrassé, je me sens très mal en fait d'être là ce soir pour vous parler de vous. Et j'ai le sentiment de n'avoir pas fait ce que j'aurais pu faire pour empêcher ce qui est arrivé. Il se trouve que la dernière fois que j'ai vu, ça n'est que deux semaines avant sa mort, que j'étais dans une ville chinoise, excusez-moi, il a pris l'avion depuis Pékin pour venir me voir, et nous avons discuté de ce qui devait être son prochain film. On a parlé des situations qu'il voulait filmer, de comment il allait travailler, les décors, etc. On a travaillé ensemble, et c'était une personne qui manifestement était en danger. Et soit personne n'y a cru, soit personne ne l'a vu, et la personne n'a pu empêcher ce qui est arrivé. It is this. I think the whole of the earth lost. The whole world became much more poor. I miss somebody who was great. And now, when I see he became a new superstar worldwide, and everybody celebrating him. But you know, really, the real shit is I cannot say, please, I would like to introduce you him. He cannot come to here. I cannot give him this fucking micro. It is horrible. And it is, you know what is horrible? If we have to listen to each other, we have to take care of this kind of guys. Because maybe next to you, you have another kind of guy who is the same. I learned it. We have to listen. We cannot make again this fucking mistake. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que le monde entier, en fait, s'est appauvri à l'issue de cette disparition. C'est le monde entier qui souffre aujourd'hui de la disparition d'une personne comme celle-là. Et je ferai la même oublier. Et de voir aujourd'hui que cette personne que j'ai connue est en train de devenir une sorte de nouvelle superstar au sein du monde du cinéma, que son film est montré et apprécié dans le monde entier, me laisse un goût amer, parce que s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est de me taire et de vous demander d'accueillir, d'avoir la chance pour l'introduire, vous m'avez accueilli. Je ne peux pas lui, je le traduis littéralement, je ne peux pas lui passer sous le micro, et ça c'est vraiment la chose la plus terrible dans cette situation qui m'a permis d'apprendre, de comprendre quelque chose, c'est que nous devons autant que possible faire l'effort de nous écouter les uns les autres. C'est une erreur, une faute que nous avons faite, que nous ne pouvons pas laisser se reproduire. Peut-être avons-nous, peut-être y a-t-il à côté de vous ici ce soir quelqu'un qui est aussi fragile que vous, et je pense que c'est très important d'apprendre à s'écouter les uns les autres afin de ne pas répéter ce genre de mal, de laisser se répéter ce genre de choses. Ok. Tonight you will see a beautiful movie. And I'm sure this movie will be with you till the end of your life. You will remember for this movie forever. And please think about this guy when you are watching. And please love this film as I do. And I would like to say again a big thanks for your coming. Well,
Alors ce soir, vous allez voir un très beau film. Un film où je pense qu'il va rester avec vous si on en durera votre vie. Si vous pouvez penser à la personne, pas envoyer le film, penser à la personne qui a fait ce film.